heard of Goethe. Vous avez entendu parler de Goethe. Goethe, yeah. Mm. Okay, so not many people know that Goethe. Pas beaucoup de personnes savent que Goethe had more writings about science than literary writings. Donc, peu de personnes savent que Goethe en fait a rédigé plus d'écrits à propos des sciences que sur l'aspect littéraire. Yes, he left more work on that. Il a laissé beaucoup plus de travaux à ce niveau-là. Yes, he had one very interesting concept that I discovered for somebody else about Goethe. Donc, il y a un concept très intéressant qu'il a découvert grâce à quelqu'un à propos de Goethe. It's called the participatory scene. Donc, c'est le regard participatif. So you look and participate in what you're looking. Vous regardez et vous participez dans ce que vous regardez. What Alex is talking about. Anyway. De quoi il parle, Alex? So I'll give you an example of how we usually do things. Donc, je vais vous donner un exemple de quelle manière on fait habituellement les choses. We think about something. On voit quelque chose. And right away make the judgment. We objectify what we see. Voilà. Donc, on regarde quelque chose et instantanément, on essaie de l'objectiviser, ce qui équivaut à juger, en fait. Yes. And this objectification, by right away, it comes through particular narration. You know, like, voilà. Donc, it's a judgment. À travers ce jugement, cette objectivisation, ça devient une narration particulière, en fait. Yes. So, this is objectifying the world. That's how we do it. That's reflective thinking. C'est objectif. This is how we do it. It's reflective thinking. Ok, donc c'est une manière de penser réflective. Reflective thinking. Yeah, yeah. Ok, so it is. What we're gonna. I'm sorry. What we're gonna do now? I'm gonna explain more about this. It's very important because you can practice this in everyday life. Donc c'est très important là dans ce qu'on va faire, d'autant plus qu'on peut le pratiquer dans la vie de tous les jours. Maybe in psychotherapy they'll do that. Peut-être que dans certaines psychothérapies, ils font ça également. So it is because it's psychotherapy. Now, if you, for example, with somebody, don't right away think about what happens, but allow, stay with the perception, like, you know, not to judge right away. Donc voilà, dans ce que vous allez faire, simplement, essayez simplement d'être présent à la perception et pas dans le jugement tout de suite. And then different world will start to unfold. Et à ce moment-là, différents mondes vont commencer à se révéler. Very interesting. You know, we'll talk more about it. Okay. So the first, if somebody, we're gonna take these exercises now as an exercise, not as a technique. Voilà. Donc là, ce qu'on fait, c'est purement un exercice. Hein. And we're gonna take a typical bear hug exercise. Voilà. Donc là, ce qu'on va faire, c'est une saisie. Voilà, comme ça. When he applies the pressure, let's say hard, and I, first reaction is gonna be apply hard. I'm gonna tense up. Ça, c'est ma première réaction. Je me tends. See, I'm gonna tense up. Vas-y. That's it. First reaction is this. Somebody grabs you, you go. Voilà, ça c'est la première réaction quand quelqu'un vous saisit. If you don't know anything, you're gonna start to shake. Voilà, si vous ne savez pas quoi faire, vous allez commencer à remuer. If you know something, you're gonna try to do that, you know. Et si vous savez faire quelque chose, vous allez essayer de l'appliquer. Whatever technique you are. Quelle que soit la technique. Now, this is right away the feeling comes. Donc là, tout de suite, c'est de là que la sensation, le feeling vient. Which is threat. Qui est une menace en fait. And then you have decision to do something. Et à partir de ça, il y a la décision de faire quelque chose. Now we're gonna try to build the participatory scene. Maintenant, ce qu'on va essayer, c'est de créer ce regard participatif. So the first exercise is gonna be. Le premier exercice. Try to not to do anything. Essayer de ne rien faire. Okay, if person is too strong, you know, like si try to manage each other. Fort, yeah. And you eat. So he's gonna apply the pressure. Donc il applique la pression. I'm gonna try totally to relax. Okay. Et je vais essayer de me relâcher complètement. It creates very interesting state in him. Because there's no resistance at all. Il se passe quelque chose à ce moment-là de très intéressant chez lui parce qu'il ne rencontre pas du tout de résistance. See how it's the feeling. Feeling is like something slimy. What's the feeling? Voilà. T'as ressenti quoi? Ouais. Now we're going to take this as a psychological practice first. C'est un aspect psychologique donc de ce. Now when you relax. Quand vous relâchez. Don't panic. Ne paniquez pas. And try to be inside. Et essayez d'être à l'intérieur.
And then you can, by being inside, try to feel where is the pain. Et essayer de ressentir en étant à l'intérieur où est cette douleur. How is the pain? Comment est cette douleur? Shapes. Les formes. You know, like each person will have a different way because. Chaque personne a des manières différentes. We talked yesterday, you know, another French, Jacques Lacan. Donc on parlait de Jacques Lacan. Talks about Borromaic knot. On parlait du nœud borroméen. It's a three, like a three links in one. Donc voilà, c'est en gros trois anneaux qui n'en forment qu'un. Ceux qui ont vu. Déjà. One, he says symbolic. Donc l'un est symbolique. Which is language. Qui correspond au langage. Imaginary. Imaginaire. Ability for representation. Voilà, l'habilité à. Making up pictures in your mind. Pour représenter des images. And a real. Et le réel. Which is body. Qui est le corps. But not body as an object the way we mais see pas, it. But mais pas le corps en tant qu'objet. It's a feeling, like body. C'est plus une question de now, feeling, de sensation. He meant, and I'm going to apply here. Donc il pensait, c'est ce que je vais faire là. That none of these three categories. Aucune de ces trois catégories. Can be pure. Ne peut être pure. So language is the way we speak. There is no pure language. Donc le langage que nous parlons, il n'existe pas fondamentalement de langage pur. The one who speaks, it's always invested with the body and with the imaginary. Donc celui qui parle est toujours investi à la fois avec le corps et l'imaginaire. Then in the other, if you fantasize about something. Donc si vous fantasmez à propos de quelque chose. It's always body and symbolic invested. C'est l'investissement et du corps et de la symbolique. And then when you have a body feeling. Et vous avez la sensation du corps. It's never pure feeling. C'est jamais une sensation pure. It's always invested with symbolic, which is concept language. C'est toujours investi du symbolique, qui est un langage conceptuel. And imaginary. Et de l'imaginaire. So that's why it's so hard to be human, you know. C'est pour ça que c'est si difficile d'être humain. Now, that's why I'm telling you, when you do this, you cannot just. Voilà, c'est pour ça, je vous dis, quand vous faites ça, vous ne pouvez pas juste agir de cette façon. Calm down. Voilà, calmez-vous. And then try to totally relax. Essayez de vous relâcher totalement. But stay with perception inside. Mais restez avec la perception intérieure. Again, feel how is the pain. Encore, ressentez comment est la douleur. Feel where is the pain. Et sentez où elle est. How it moves, how it, where it pushes. Comment ça bouge, comment ça pousse. Inner space for us. L'espace intérieur pour nous. It's totally unknown stuff. Et quelque chose de totalement inconnu en fait. We are aware of our body only when we get hurt, you know. Voilà, on est pleinement conscient de son corps en fait seulement quand on se blesse. The body is always in the background. Le corps est toujours en arrière-plan en fait. Serving ideas. Servant des idéaux, des idées. You know, you have to go to work, you have to do this, you have to do that. Il faut faire ci, so faire always ça. In your cognitive space, and body is just an instrument, you know. Voilà, le corps ne fait que devenir un instrument. Yeah. Dans ce contexte. Now, what we are trying to do here, it is to go back and try to create a language and get familiar with our space. When I say donc, body, ce qu'on va essayer de faire là avec le corps, c'est de créer un langage dans un espace familier. Space where experience happens, particular emotions, sensations. L'espace dans lequel l'expérience arrive, et en particulier les émotions, les sensations. It's not the body science observes. As an object, you know, this is a liver, this is voilà, that. C'est pas hormones. Le corps qu'on regarde comme un objet en identifiant, tiens, ça c'est les reins, ça c'est tel organe, etc. It's subjective body. C'est le corps subjectif. My body. Mon corps. My experiences. Mon expérience. Okay, so it is because we lost the touch with that. Parce qu'on a perdu le toucher, le contact avec ça. You don't feel comfortable unless you fit the ideals. Voilà, on ne se sent pas à l'aise, on ne se sent pas confortable nice tant car. Qu'on n'a pas collé à cet idéal, à cette idée. Yes, yeah, because we always see ourselves through the gaze of the other. Voilà, parce qu'on se voit toujours finalement pour le regard, la manière dont les autres nous regardent. And the gaze of the other is invested by media, by value systems, by cultural on and on. Et le regard des autres est essentiellement rempli finalement. Des médias, d'un système de valeurs, de telle. By culture, history. Voilà, de la culture, l'histoire, et ainsi de suite. And
for example, you have there are many layers of the body. Donc il y a plusieurs couches en fait au niveau du corps. Body can be appearance. Donc le corps peut être apparence. Can be experience. Ça peut être expérience. Can be performance. Ça peut être une performance. Yes. So when you instrument a sport, it's not taking care of the body. Le sport, ce n'est pas prendre soin du corps. It's taking care in terms of you know, but the idea of the sport is to achieve results. Voilà, le but du sport, l'idée du sport, c'est d'accomplir des résultats. So it's always in the future. C'est toujours quelque chose dans le futur. So you instrumentalize your body to achieve results. Et finalement, on instrumentalise le corps pour accomplir ces résultats. You're not in your body. Vous n'êtes pas dans votre corps. Your body is an object. Votre corps est un objet. Yes, that you mold to achieve an abstract idea. Being the gold medal, making voilà, money, que vous modelez de manière à accomplir des objectifs abstraits comme une médaille d'or et ce genre de choses. See, the body can be a sexual object or can be a lover's body. It's a different thing. Donc, le corps peut être un objet sexuel, mais ça peut être aussi le corps d'un amant, d'une amante, et ce sont deux choses différentes. And on and on and on. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Now, what? The last thing before we start practicing, because for me it's very important that there is a story behind. Voilà. Avant d'aller plus loin, il faut que vous compreniez que c'est très important pour moi qu'il y ait une histoire derrière tout ça. Yeah. So to see where I'm going. Otherwise, any exercise is exercise. You know, when two people walk, it's the same thing. Voilà. Pour voir où est-ce qu'on va. Autrement, un exercice n'est rien de plus qu'un exercice. C'est comme marcher, ça revient au même. Same thing, but how these people feel, we don't see that. Mais comment ces gens se sentent, ressentent, bon, ça on ne le voit pas. Okay. So we are getting familiar with our body. We are learning pretty much going back to real world. Voilà, donc là on revient simplement, on essaie de se refamiliariser avec son corps. How to be in my body. Et réapprendre à comment être dans mon propre corps. Technique can show you where pressure. There is technique would be in a jiu-jitsu way. And then yes. Voit dans le jiu-jitsu, par no, but here apply pressure. Mais ici, see, I'm learning. See, he's bending a little bit, so I relax. Voilà, donc là, je me relâche. And si to see where can I move? I can move. See, yes. Vous voyez, doesn't là, matter how hard. Peu importe comment il serre. Then mais I can là, expand. Je see? Là, and je I can move the temps. Other one. Maybe go lower. Maybe. Peut-être. I can move my hips. See. Je peux bouger mes hanches. It's balance, you know. C'est une question d'équilibre. Maybe I can drop my weight to the side, see? Peut-être que je peux projeter mon poids sur le côté. So relax the grip. But okay, that's already tricks. Tout ça c'est des trucs. What I'm trying here to slow down as much as you can. Voilà, là ce que j'essaye simplement c'est d'aller de ralentir le plus possible. Start to move to see what you can move. Et commencer à bouger pour voir ce que vous pouvez bouger. Ok, I can expand. Je peux élargir, je peux. Voilà. And it becomes very, very easy. It's not anymore. Et ça devient très, très facile. Ce n'est plus. Relax. It's not anymore. Ce n'est plus ça. It becomes ok. Hard. Look at it. Look at my stomach. Regardez mon ventre. Hard. Yeah. See, everybody's lifting up. So just continue, see? Ouais, ça look at my shoulder. À me soulever, regardez. Now chest. Now the support. Le support. So there are details. Ce sont des détails. More and more it's called differentiation. De plus en plus, ça s'appelle la différenciation. Yeah, more. Go ahead. Hard. See, maybe I can just sink down. Peut-être que je peux plonger un petit peu vers le bas. Expand. You know. M'élargir. So it is, you see, if I can move arms, sometimes, quelquefois, a little bit lower, yes. Mm-hmm. I can move one direction, je peux bouger dans une direction, move shoulder, but not enough. Mais, I can turn, points, pas assez. Support, again I move. Donc là, and si again je come back. Support, again I move. Je peux bouger, then je expand recommence. Chest. Et en même temps, j'étends ma poitrine. So it's important before soft work. It's important for first to go deep into the core of the body and to feel the pressure. Donc voilà, avant d'aller dans le travail soft, c'est important d'aller en if profondeur just, dans le corps et de sentir la pression.
If you work the soft work, si vous travaillez en douceur, and there is peur, there is a fear inside and darkness, il y a une sorte de peur à l'intérieur et des ténèbres. We're always going to be kind of reserved. On va être un petit peu en quelque sorte sur la réserve. Because body says, what about if I miss soft work and he catches me? Voilà, parce que le corps a tendance à dire que se passe-t-il si jamais je loupe le truc et qu'il m'attrape de manière plus dure. But if you start with this type of exercises, your body gets familiar and then it's much easier to move into the soft work. Alors que si on commence par ce type d'exercice qu'on vient de voir, on devient beaucoup plus familier avec ce type de choses et on peut facilement intégrer le software. Okay, last part of the game. Donc la dernière partie de ce jeu. Full power. Donc on serre à fond. And start to move slowly. Et commencer à bouger lentement. It's important not to rush to get rid of the grip. But c'est important de ne pas se précipiter pour se libérer de la saisie. But to explore possibilities. Mais d'explorer les possibilités. Okay, let's try. Essayons. Nismo mango pili, šta mi znaješ šta sam? So more and more, donc de plus en plus, you explore all possibilities. Vous explorez toutes les possibilités. When you breathe out, quand vous expirez, don't drop the volume. Ne réduisez pas le volume en fait. Somebody, you figure that out, or somebody else. So it is inhale, inspirez, stay volume, exhale. Le volume reste, mais vous expirez. So you don't go. Voilà, vous ne faites pas ça. Then you reinforce the grip. Ce qui en fait permet de renforcer la saisie. So you can work with the weight. Donc vous pouvez travailler avec le poids. Like that. Comme ceci. With a big wave. Avec une grande vague. Yes. With the separate parts. Avec des parties séparées. Yeah, so it is, that's right. More and more you get familiar. Plus vous serez familier avec ça. Then. So, it really doesn't matter if a person is jerking, lifting, or whatever. Peu importe que la personne vous soulève, vous remue, ou quoi. You stay in your space. Vous restez dans votre propre espace en fait. And eventually by practice, et à la fin, grâce à la pratique, you're able to manipulate the space. Vous êtes à même de manipuler cet espace. Then if you learn how to relax, si vous apprenez comment vous relâcher, hard, but static. Yes, then you can see hard. Then you can do poof. So more. Donc plus. More and more you sink into your body. Donc, plus vous vous plongez dans votre corps, the more your body speaks to you. Plus votre corps vous parle. Now, inspiration is not result of now seeking. L'inspiration n'est pas le résultat d'une recherche. It's a gift of quietness. C'est le don du quietness of mind. C'est un don du calme en fait. Yes. Du calme intérieur, je veux dire. So, you know, if you want now, let me see how you're gonna do it. It's a science. Voilà. Si vous êtes dans une recherche qui vous
êtes en train de raisonner en vous disant bon, voyons voir comment je peux faire ceci ou cela, ça, ça relève de la science. Art. L'art. Artistic experience. Inspiration. L'inspiration artistique. It's a gift. Est un don. Yes. So the gift of patience. Le don de la patience. And quietness. Et du calme. When I say calm. Quand je dis calme. You start like a child. Vous commencez comme un enfant. Shit, what can I do? You know? Okay. Oh, and then you can see later on what kind of movement comes into the play. Et vous pouvez voir assez vite par la suite quel type de mouvement peut venir. Oh, escape from broken, the